Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et j'emmène Bobo en vélo. Donc moi je serai sur mon vélo évidemment et Bobo à côté. Et il est rangé où le vélo? Et en fait une fois par semaine j'essaie de me trouver un petit temps, donc souvent le dimanche, pour laisser le petit à mon chéri et partir avec ma jument toute seule en tête à tête. Parce que déjà ça fait du bien au moral pour tout le monde. Et surtout, vu que pour le moment je ne remonte pas, puisque moi je suis pas en état physiquement et Bobo non plus, ça nous permet de nous préparer toutes les deux, enfin surtout elle du coup, puisque en vélo je vais beaucoup plus vite qu'en footing, donc ça la fait courir d'autant plus. Et c'est pas mal pour la préparer, pour reprendre l'endurance et puis même pour se muscler. Et du coup je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Il est là mon pur sang du jour. Bon, je vais vérifier que tout est ok, parce que la dernière fois j'ai failli me tuer. Les vrais savent, hein, sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Bon, je vous retrouve quand même en voix off pour vous commenter tout ça parce que c'est quand même vachement plus sympa et plus dynamique. Donc comme vous le voyez, ça partait plutôt bien. Hey, Bobo, trotte ! Très bien ! Non ! Non ! Ah, ça pue la merde du chien là ! J'espère que c'est pas toi qui as marché dedans. À part mon équilibre un peu douteux sur vélo, le reste ça roulait, hein, c'est le cas de le dire. Bobo était plutôt réactive à mes demandes, puis les galères ont commencé gentiment puisque elle s'est dit que ça pourrait être plus cool de manger toute cette herbe plutôt que de la piétiner. Non, non, hein. Non, non. Non, 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 ça va plus. Non. En embarqué, ça donne ça. J'avais laissé trop de mou avec la longe et vu que je ne sais pas faire de vélo sans les mains, bah j'arrivais plus à remonter sur la longe. Donc du coup, ça tangue un petit peu. La direction est un peu hasardeuse aussi, mais bon, on va dire que pour le moment, je m'en sors pas trop mal. C'était seulement la deuxième fois qu'on faisait ça et j'aime beaucoup ce genre de sortie, ceci dit. On dirait pas, mais franchement, j'aime beaucoup. Déjà, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça nous permet de nous préparer physiquement à reprendre l'équitation, on va dire, parce que Bobo aussi fait de l'équitation quand je monte sur son dos. Et elle travaille son souffle, elle perd accessoirement du gras, peut-être, et c'est bon pour ses pieds. On peut travailler les transitions, on peut travailler les variations dans les allures, et puis on a aussi un autre aspect de la direction, parce que bah, mine de rien, mes indications corporelles sont différentes à vélo. Oh, putain, j'ai froid aux doigts. Bobo, très bien. Allez, c'est parti. Du coup, ça oblige à être d'autant plus attentive à moi et aussi à rester toujours du même côté du vélo parce que à pied, en fait, elle a vraiment carte blanche, elle choisit où elle marche et en principe, je la laisse changer de côté autant de fois qu'elle le souhaite. En vélo et en poussette, c'est pas le cas, donc bah, c'est un changement pour elle. Quant à moi, ça m'oblige à être moins laxiste sur la politesse vis-à-vis de l'herbe parce que bah, je peux pas vraiment tirer sur la longe s'il faut la décoller de l'herbe au risque de finir par terre. Et vous allez comprendre de quoi je parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Non. Ah, ralenti. Non, sans manger. Non, sans manger. Hop, hop, hop. À la peste. Non, non, non. Hop, cette voiture. Oh, doucement. Je vais trop vite. Non. Allez, on tourne, on tourne. Non, là je vais pas te voir manger gros. Oh. Non, non, non. Ça a pris. Oh, trop vite. Je
pas envie de tomber là, c'est niqué. Il y a morvonné, c'est horrible. J'ai pas pris mon choix. Non, non. Si on croise des gens, je me suis sur ma manche. Non. Non, non, non. Oh putain. T'es grave mal poli, je sais pas qui c'est qui t'a éduqué. Hein. Doucement. Ah non, 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 non. Elle enchaîne. Ah, la petite trophée, bien. Non. Tu vois, regarde où tu mets les pieds plutôt qu'essayer de bouffer. Allez. Allez, fais attention. Voilà. Je vais mettre un gant. Oh, j'ai un mouchoir. Un mouchoir usagé, mais un mouchoir. Oh putain, on voit la gueule. Oh, j'en ai plein les doigts, putain. C'est dégueulasse. À cet endroit, il y a souvent 4 ou 5 chevaux, dont celui-ci qui est entier et qui passe son temps à nous suivre en hennissant. Franchement, Bobo avait la queue sur le dos, mais elle a bien pris sur elle et j'étais fière parce que j'avais pas du tout de contrôle si jamais elle partait en cacahuète, quoi. Hein. Faut dire ce qui est. Allez. Allez, ça monte là, c'est dur, hein. Très bien ça. Non, 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 non. Oh putain, dès que je mets un peu moins d'activité, t'es terrible. Non. Ouais, ouais, on a encore pas mal de boulot hein, sur la politesse vis-à-vis de l'herbe et sur l'équilibre à vélo aussi. J'avoue que là, ça donne un peu mal de mer quand même. Hein. Allez, on monte par là. Attends, je sais pas faire de vélo moi. Non, pas sur des racines avec une seule main. Allez. Là, on a profité de cette espèce de plateau pour travailler la direction qui, bizarrement, ne pose pas de soucis. Hop, allez, on va par là. Ah putain, je vais tomber. Là, il y a un trou là. Attention, attention, il y a un trou, il y a un trou. Tu me fais peur. Je mange pas. Alors là, tout était parfait. Bobo avait un bon rythme, elle essayait plus de manger. J'avais un bon équilibre hein, sans vouloir me jeter des fleurs. Et puis... C'est très très bien ça. C'est parfait là. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Parce que je pensais vraiment jusque là. Hein. Si un jour on m'avait dit que je ferais ça, et toi on t'aurait dit que tu ferais ça. Non ! Ah ! Putain ! Bobo ! Allez, je vous la remets, c'est cadeau. Et toi on t'aurait dit que tu ferais ça. Non ! Ah ! Putain ! Bobo ! Putain, quand on vous dit que les poneys c'est le diable là. Non ! Non ! Les gens ils ont raison, les poneys c'est le diable. C'est peinard et tout, et d'un seul coup, bim ! Moralité, ne jamais baisser sa garde. Allez, bébé, galop. Je vais tomber doucement. Oh, c'est elle qui me tire. C'est bien. Ah, j'arrive même pas à pédaler. Je vais essayer de faire un truc. Je vais récupérer ma longe avant qu'il se passe ça. Wouh ! Bobo ! J'ai envie de le refaire propre. Oui, on va se le refaire parce que t'es chiant, t'as tout planté comme ça. Non ! Doucement. Non, 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 non. Hey, Bobo ! Galop ! Hey, galop ! Bon, là, d'entrée, ça part mal, hein, puisque je laisse vraiment trop de longe et que je n'arrive pas à remonter dessus.
Waouh. Non, 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 non. Là, je l'ai clairement gonflé, hein, et elle me fait bien comprendre. Non, je vais pas y arriver, non. Comme quoi, le licol en corde, c'est loin d'être inoffensif, hein, parce que je tire pas dessus, j'envoie juste des secousses qui auraient peu d'effet sur un licol plat. Et là, avec le poids de la longe et les nœuds, ça rend mon action désagréable pour elle. Je l'ai fait consciemment et ça a fonctionné puisqu'elle n'a pas brouté. D'ailleurs, c'est en toute conscience que je lui ai mis ce licol en partant parce que je connais les effets et que je connais ma jument. Mais c'est vrai que j'avais envie de rappeler ça parce qu'on prend trop souvent le licol en corde pour son style et bah, ses jolies couleurs et ses jolis tressages, etc. Alors qu'il faut pas oublier que c'est un outil avant tout et pas des plus doux en plus. Donc voilà, quand vous choisissez du matériel, faites toujours attention. Ne choisissez pas quelque chose pour son aspect esthétique parce qu'il vous plaît. Mais cherchez toujours à comprendre les effets, le fonctionnement, etc. Bref, parenthèse refermée et mon deuxième essai est un échec. Oui, oui, elle a carrément une motte de terre dans la bouche, tout va bien. Bon là vous n'avez pas vu mais elle a sauté le talus et j'étais super fière d'elle parce qu'on ne passe jamais par ici donc elle ne connaissait pas cet obstacle entre guillemets et avec les broussailles on voyait pas derrière donc aucune idée de la hauteur ni de la nature du sol qui changeait en plus et puis elle aurait facilement pu passer à côté de toute façon et là elle y est allée sans se poser de questions et le tout emmené en vélo, chose qui n'est déjà pas forcément facile emmener à pied donc voilà j'étais vraiment super fière d'elle parce que c'est quelque chose qui nous aurait posé problème il y a encore pas si longtemps que ça. Alors là, c'est assez flagrant et représentatif de son caractère, c'est que dès que ça bouge pas assez, en fait, elle se fait chier et elle veut bouffer. On voit qu'elle est super réactive et enjouée quand je lui demande d'aller en avant et c'est un peu le souci que j'ai toujours eu avec elle, même si ça va beaucoup mieux. C'est compliqué de trouver un juste milieu parce qu'elle aime quand ça bouge et elle s'ennuie vite si c'est pas le cas, alors il faut aller à fond ou pas du tout en fait. Là, on entend, je lui demande de ralentir, elle s'exécute mais elle plonge direct son nez dans l'herbe. Cette partie là je l'ai lâchée un petit peu pour voir ce que ça donnait, elle a l'habitude quand on est en footing que je la lâche aussi donc je me suis dit que ça pouvait fonctionner. J'ai été un peu ambitieuse vous allez voir mais je pensais que ça serait pire. Elle est partie au galop nickel et elle s'est arrêtée nickel quand je lui ai demandé mais elle est jamais repartie hein. J'ai quand même tenté de continuer et de lui demander un rappel en fait quand j'étais plus loin mais ça a pas du tout fonctionné, l'herbe était beaucoup plus intéressante que moi donc je suis allée la chercher et je l'ai récupérée comme ça et voilà, il n'y a pas de soucis, c'est ok, j'accepte. Je comprends qu'elle préfère manger, je pense que si j'étais un cheval et que j'étais à sa place j'aurais préféré aussi donc je lui en ai pas du tout voulu et je suis allée la rechercher tranquillement et on a fini notre petite routine comme ça. Cette balade nous a ouvert pas mal de pistes de travail, la principale étant notre souci de stop dans l'herbe. Hein. Parce que vous l'avez vu, c'est arrivé quand même assez régulièrement et c'est ma faute. On est déjà parlé, mais quand je l'ai eu, Bobo arrachait carrément la longe pour aller brouter et franchement j'ai régulièrement fait le drapeau derrière elle. J'ai corrigé ça, mais je suis toujours restée assez laxiste avec ça par peur de la blaser en fait. Je changerai pas mon seuil de tolérance en balade à pied parce que j'aime lui laisser un petit peu de liberté. Par contre on va travailler pour qu'elle comprenne que quand je suis en vélo, elle peut manger seulement quand je l'y autorise. C'est déjà quasiment acquis avec la poussette donc il n'y a pas de raison. En rentrant bien évidemment je me suis occupée d'elle. Alors comme vous l'avez vu, j'ai laissé son licol en corde comme au ponçage d'ailleurs avant de partir. Je l'avais pas attaché, la longe elle est juste posée sur la ficelle et en fait de mon point de vue on n'attache pas un cheval avec un licol en corde, c'est de la corde comme son nom l'indique et si le cheval panique et tire ça peut faire très très mal voire blesser assez sévèrement. Donc quand on a besoin de mettre un cheval à l'attache et de l'attacher quand il bouge, pas comme Bohème qui ne bouge pas où je peux me permettre de poser la longe, on prend un licol plat, c'est très bien, c'est fait pour ça et ça évite les accidents. J'ai traité ses pieds avec un mélange d'huile essentielle d'arbre à thé et de vinaigre de cidre parce que ses fourchettes étaient pas terrible. Je vais passer un petit coup de bouchon un petit peu partout vite fait, histoire de vérifier qu'il n'y avait pas de bobo ni de tique. J'ai vérifié qu'elle avait pas de tique ni dans la crinière ni dans la queue et je l'ai laissée tranquille et comme vous voyez, le moment où on retire le harnachement d'une manière générale, que ce soit licol, filet ou side ou ce que vous voulez, elle kiffe se gratter donc du coup c'est le moment gratouille, elle adore. So
Après ça, je suis allée ouvrir le pré et j'ai laissé tout le monde un petit peu profiter du terrain, de l'herbe, etc. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé le vélo comme ça avec vos chevaux et ce que ça a donné. Et je vous dis à bientôt. Ciao les sales gosses.